Coucou mes petites galettes des rois, j'espère que vous allez bien, moi. Oh. Je viens de me réveiller. J'ai passé une nuit atroce. Mon petit bébé Aziz, il n'arrivait plus à respirer. Avec Julien, on est parti aux urgences. C'était la cata. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais avant ça, petit concours. Pour gagner un séjour dans la Creuse pour 28 personnes, hébergement, nourriture et transport compris, rien de plus simple. Il suffit de faire deux roulades avant, deux roulades arrière, un salto avant, un salto arrière, une patate à ta mère, balayette à ton père. Tu télécharges l'application, tu rentres le code dessus, tu mentionnes deux amis en commentaire qui mentionnent trois amis qui doivent liker, commenter, screener, ils mettent en story, ils screenent la story, ils remettent en commentaire, ils reçoivent un email, ils screenent l'email, ils l'envoient à la préfecture, ils reçoivent un duplicata, ils vont le photocopier, ils renvoient un livret de famille avec le nom de jeune fille de leur mère et c'est gagné. C'est un truc de fou, les influenceurs. C'est des influenciestes. Tout le temps, ils se réveillent d'une sieste, n'importe quelle heure, même il est 2 h du matin. Coucou mes petits smoothies, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens de me réveiller. C'est une chorégraphie tellement, je crois qu'ils apprennent quelque part. Voilà. Ou sinon, ils te disent quoi? Coucou mes petits smoothies, comme vous avez pu le remarquer, j'étais absent sur Snap. Non, on n'a rien remarqué, on n'a rien à foutre de ta vie. Oh là, personne n'a rien remarqué la vie de ma... Voilà, team, faut que je vous montre quelque chose dont je suis le plus fier. Je vous en ai jamais parlé. C'est mon enfant, mon bébé, Erwan. Qu'est-ce que je le kiffe, mon petit robot de piscine. Oh là, c'est un transformeur, ça, les frères. Regardez, on va le mettre en marche. Momo, quelles sont tes qualités? J'ai un robot de piscine. Quoi d'autre? C'est tout. Plus rapide que ma voiture sans permis, oh là. Incroyable, les amis. Voilà un Transformers. C'est mon petit sous-marin, les frères. Je kiffe. Je vous passe le salut. Va dans l'eau. Voilà, incroyable. Voilà, incroyable. Voilà, qu'est-ce que je le kiffe. Vous comprenez pourquoi je l'aime comme ça? C'est mon bébé. Erwan, tu fais attention, hein. D'accord? Tu vas pas au profond, tu vas là où t'as pied. Il en fait qu'à sa tête. Mon petit Transformers des mers. Bon, faut nettoyer la piscine, les amis. Il y a plein de feuilles et tout. On va s'en occuper. Momo, quelles sont tes qualités? J'ai un sous-marin. Quoi d'autre? C'est tout. Regardez, regardez ce robot, ce Transformers, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est plus physique que moi. Ah, c'est ouf. Il me régale. Hey bro, check mine bro. Check. Hey bro, check mine. Jack! Jack! Non, Jack! Non, non! Oh, il est mort, Jack, dans Titanic. Oh, il est parti. Oh, ça va, Jack. Calme-toi, Jack. Voilà, on a sauvé Jack, les amis. Jack! Dis, Momo, quelles sont tes qualités? Ça. Quoi d'autre? C'est tout. Ouais. Ça suffit amplement pour impressionner des meufs. La vie de ma mère. Même si vous n'avez pas de piscine, achetez-le, les amis. Parce que voilà que c'est la folie. Oh, j'ai faim, j'ai mal à la tête. Voilà, j'ai le vertige. La vie de ma mère. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais voilà, faut une épreuve de confort. La vie de ma mère. Une petite épreuve de confort comme dans Koh-Lanta. Lui qui gagne, un petit bol de riz, un coca. Genre, t'es, tu mets un pilier au milieu de la piscine, tu restes debout pendant 1 heure comme ça, en plein cagnard. Ouh, courage, courage les frères. On dit, ouais, la petite. Il rend fou ce chien. Voilà. C'est le ramadan, frère. Ouais, respect. On dit, ouais, je vois bien PNL faire un clip d'une piscine. La 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 nuit, il fait nuit,
Le jour, il fait jour. La 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 la. Et ça me fait rire Koh-Lanta. Oh là, genre ouais, des candidats qui se retrouvent sur une île déserte et ils ont rien à manger. En fait, dans Koh-Lanta, tu manges pas, d'accord? À part si t'as faim. Il y a l'infirmerie qui débarque. Oh là, t'as juste à simuler une piqûre de moustique. Ouais, je me suis fait piquer par un moustique géant dans la nuit, Mousticus, une espèce très rare qu'on retrouve sur les côtes australiennes. Oh là là, Adim, t'as pas vu à chaque fois? Dès que t'as faim, t'es là, tu te fais un petit. Tu te pinces un peu le bras. Je me suis piqué par un moustique, t'as un hélicoptère qui débarque. Voilà, oh avec un menu McDo, Burger King, Chicken Wings, sauce piquante, sauce potatoes. La vie de ma mère, c'est de l'arnaque. En plus, tu fais un tour en hélicoptère et te ramènes dans l'hôpital le plus proche. Mais bien sûr, l'hôpital le plus proche est dans une ville. Donc tu débarques à New York, voyage gratis. Trop facile, Koh-Lanta. Voilà, oh trop facile. Quoi? Hein? Y'a quelqu'un? Vole, petit oiseau. Oh, pour celles et ceux qui préparent les repas du Ramadan, ne faites jamais l'erreur, en pleine journée de Ramadan, de demander à une personne qu'est-ce qu'elle veut manger ce soir. Oh là! Ne faites pas cette erreur, faites à manger vous, parce que si tu poses la question, moi tu me demandes, ouais, tu veux manger quoi ce soir? Fais-moi un pangolin, voilà, un pangolin rôti, s'il te plaît, des brochettes de chauve-souris, voilà, non, pas des chauves-souris de Russie, de Wuhan, voilà, c'est les meilleures, c'est les plus juteuses, tu me fais des brochettes de chauve-souris, et tu me fais du, ouais, tu me fais du berger allemand. Du berger allemand pané. Voilà, voilà, faut jamais demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut manger dans la journée du Ramadan. La vie de ma mère, moi des steaks au Nutella, s'il te plaît. Voilà. Ah, les amis, le jeûne, le Ramadan, c'est avant tout une question de volonté. D'accord? Même si t'as plus de force, t'as faim, trouve la force au fond de toi et dis-toi que. Ah, les amis, ah, je sais que ça peut être dur pour certains le Ramadan, mais trouvez les forces au fond de vous. Quand on veut, on peut, les amis. Il suffit. On dit que l'appétit vient en mangeant. J'ai rien mangé, mais j'ai la dalle. Je comprends pas. On dit que la. Oh, magnifique, les amis. Regardez-moi, c'est super samosa. J'ai envie de jouer au domino avec. Ah non, ça part pas. Quelqu'un peut m'expliquer la différence entre des samosas et des briques. Voilà. Je comprendrai jamais. En tout cas, c'est magnifique. Donc, il y a la farce. Farce time, frère. C'est du pangolin. C'est ça? ce soir, il y a des bonnes briques ou des samosas. Je comprendrai. Pourquoi il y a les essuie-glaces? Il fait 40 degrés. Oh là, j'en ai marre. Ouais, je vais me battre avec les essuie-glaces. Ça y est, ça c'est le Ramadan, ça. Le moindre détail avant le ftour. Oh là, tu peux finir 20 ans de prison en cellule. Oh là là, Adim. La vie de mer, tu roules en voiture juste avant le Ramadan, juste avant le ftour. Ne klaxonner personne en voiture. Le mec, il descend, il te met deux balles. Deux balles dans le trou de balle. La vie de ma mère. Faut pas provoquer. Attention à la dernière heure du Ramadan, juste avant le ftour. La dernière heure, c'est la plus dangereuse. Voilà, c'est la première cause de divorce chez les musulmans. La vie de ma mère, les amis. La dernière heure avant le ftour. Qu'est-ce que c'est chaud. Il suffit qu'il manque une assiette. Voilà, ou alors une fourchette. T'es, il manque une fourchette. T'as le daron, il s'énerve. Elle est où ma fourchette? Voilà, il prend l'assiette, il se la casse avec le crâne, balayette sur la daronne qui riposte, hypercute, coup de coude. Voilà, c'est chaud. Attention à la dernière heure avant le ftor, c'est fatal. Tous les gens, ils sont nerveux. T'as un mec qui vient te voir. Excuse-moi, t'as pas l'heure? J'ai pas quoi? Répète ce que tu. Eh, les amis, je vous dis, quand quelqu'un vous attaque, quand quelqu'un vous insulte, voilà, n'insulte pas sa mère, n'insulte pas son père, n'insulte pas sa famille, rien du tout. Tu lui fais juste ça. T'as les boules, hein? Voilà comme ça fout la haine, frère. Moi, un mec qui me fait ça, voilà, je prends 20 ans de prison. Genre, le mec te regarde. T'as les boules, hein? T'as les boules, hein? Attention, la dernière heure. La vie de ma mère. Là, je cherche quelqu'un pour me battre. Voilà. La vie de ma mère. Allez, une voiture là. Qu'est-ce qu'il y a? Viens te battre. Attention. Allez, ça fait les fous là. La vie de ma mère, on va voir. Après le Ramadan, on va voir.
après le ramadan, lui qui veut se battre, la vie de ma mère, on se bat. Non, pas après le ramadan, j'ai rendez-vous au docteur. Après, le lendemain, je dois ramener ma nièce au cours de poney. Trois jours après le ramadan. Lui... Attention à la dernière heure, les amis. Il peut y avoir des victimes la dernière heure. Beaucoup de mecs sont rentrés en prison la dernière heure avant le ftour. Tout le monde est énervé. Voilà. Eh, tu sors dehors, tu croises un pote à toi. Ouais, Mohamed, ta mère, elle a fait des briques. Quoi? Ma mère, elle se prend des bites. Quoi? Quoi, répète. En plus, moi, je suis un fumeur. La vie de ma mère, j'ai envie de fumer. Et quand je fume pas, j'ai envie de fumer des gens. Je vous le dis, moi. La vie de ma mère, bim, bim. En plus, moi, je vous explique, les amis. Voilà. J'avais peut-être prévu d'arrêter de fumer la cigarette, mais j'ai parlé avec un ami. Vous savez ce qu'il m'a dit, les amis? Oh là là, des frères. Alors, bon, il a agi, le mec, hein. Alors, le mec, il a 50 ans. Il a arrêté la clope il y a 30 ans. Il me dit, la nuit, je rêve que je fume des cigarettes. 30 ans après, les amis. 30 ans après, le mec, il en a encore à vouloir fumer. Vous croyez quoi? Ouais, j'ai 30 ans. Ouais, j'en ai qu'une vie, les frères. Il m'amusait, moi, à m'arrêter de fumer. Pendant 50 ans, je vais faire des cauchemars. Je vais me battre avec des clopes dans la nuit. Non, lâche-moi, au secours. Oh là, non, ça vaut pas le coup. Donc, je continue à fumer. C'est une grande décision que j'ai prise. La vie de ma mère, je suis ZF, j'ai envie de me battre. Oh là, n'importe qui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une voiture, qu'est-ce qu'il y a? Viens te battre, viens, qu'est-ce qu'il y a? La vie... Eh, oh là, je suis ZF. Là, j'ai pas envie de m'en fumer une. J'ai envie d'en fumer un. Rac, bim, 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 la vie de ma mère. Je vais péter un... On va manger, se déshydrater. Oui, c'est le ftour. La 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 la. On va. Je vais me manger un putain de pangolin rôti. Je te raconte pas. Et des brochettes de chauve-souris de Wuhan. Mamacita. Moi, j'assume. Je dis, je continue de fumer. Il y en a plein des hypocrites. Ils sont là. Ouais, j'ai arrêté de fumer. Ouais, t'as arrêté d'acheter des clopes en fait. T'as pas arrêté de fumer. Les mecs comme ça, frérot, t'as pas une clope? Parce que j'essaie d'arrêter de fumer. Ouais, essaye d'arrêter de gratter aussi, non? Ça serait bien. Harry, délaisse le grattage et viens faire ton pèlerinage. Ouais, ça y est, les amis, c'est presque l'heure de manger. Après manger, je vais fumer ma clope. Quand c'est l'heure de la clope, dans ma tête, ça fait « Oh mec, et clope ?»« Oh mec, et clope ?» Vous laissez la musique, c'est pas futiste, non, c'est Sean Paul, je crois. « Oh mec, et clope ?»« Oh mec, et clope ?» À la veille d'être en train d'effectuer un contrôle de police, en soudainement, une voiture s'est fait rentrer les accusés. Sahab Tolkoum à tous, les amis. Première cigarette de la journée. Je sais pas, il est quelle heure, les amis. Te quiero. Ti amo. I love you. Je t'aime. Ne brique. Ching chang. Veux-tu m'épouser? Franchement, en ce moment, il y a le confinement, plus le ramadan. Ça, c'est le confident. Je mélange les deux, c'est le confident. T'as besoin de te confier, frère. C'est... Jusque-là, je les ai. Jusque-là. La vie de ma mère, toute la journée, j'étais énervé. Tu fumes, tu tires une taf sur la clope, t'es là. Ça sert à rien, la violence. Ça sert à rien de s'emporter. Faut apaiser son cœur, les amis. La vie de ma mère, toute... T'as les boules, hein? Oh, les gens qui viennent de la Réunion, de la Martinique ou de la Guadeloupe, c'est pire que l'Algérie. Oh là, il suffit que tu mets un plat à eux, ils sont là, ouais, en force, ouais, représente, si, si, on est là, tranquille. Tranquille, les gars, oh là, c'est juste un petit repas. We make it clap. Yeah, yeah. We make... Yes.